Razer Black Shark, tu veux dire celui-là? Celui-là où je n'entends absolument pas parler? Ah ben c'est pour ceux qui ont déjà testé ce micro, du coup il me faut un truc où on s'entend mieux que ça, hein, parce que c'est horrible. C'est vraiment horrible. Ça fait un jour que je l'ai, j'en ai déjà marre. Vraiment. Pourtant, comme je disais, je suis pas giga difficile, mais vraiment juste le fait de pas pouvoir m'entendre, c'est horrible. Ah mais on fait pas tant de dégâts que ça sur les tours au final. Ce sera pas un match-up si facile que ça du coup. On va voir combien on fait avec le Q mais. C'est fou, on farm beaucoup plus facilement quand on achète un. Quand on achète une Doran. À croire qu'il y a corrélation, genre. C'est fou quand même. Vraiment, on pourrait presque croire qu'il y a corrélation entre le fait d'acheter une Doran et mieux farmer. Ah, bien joué ça. Bien joué, bien joué. Moi, je pense pas qu'on tente de trade en early. Hein. Vaut mieux juste tranquillement. Attends, il m'a fait quoi là? Non, mais c'est. Attends, vous avez vu ce que le canon vient de faire là? Au calme, le canon il a fait double changement de focus. Au calme. Vraiment sans aucune. Sans aucune gêne. T'entends très bien vu que c'est un casque ouvert. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais. Mais j'imagine que c'est la raison pour laquelle j'aimais bien le Cloud 2. En fait, le problème, c'est que j'ai toujours eu des casques où je m'entendais parler. Du coup, je me rendais pas compte à quel point c'était chiant de pas s'entendre parler déjà. Oh, joli ça aussi. Pas l'air nul sur son Emerdinger, lui. Bon, après, il était pas là pour poser ses tours et sa façon de les poser a l'air chelou, mais. Quoi voir. Ok. On a bait ça. Là, il a déjà plus de mana. Ça nous met plutôt bien. On va pas tuer l'autre mignon. Donc, on va max le Z. Au moins mettre 3 points dedans. Ensuite, on va voir. Il continue à perdre son mana. On peut le poke si jamais il s'avance un petit peu trop. The sweet smell of science. Oups. Ok, on se met bien là-dessus, c'est cool. De toute façon, tant qu'on peut farm, là, ça va être de plus en plus simple, vu qu'il a plus de mana, en fait. Donc, on va avancer, plus ce sera facile pour nous. Là, il a plus un pet de mana, donc j'imagine qu'il a potentiellement envie de back. Merde, je viens de mettre un point dans le Q. Bon, c'est pas si grave. Joli, ça. On va sûrement devoir flash. Ah, il court vite. Ah, c'est vrai que... Oula. C'est vrai qu'il a plus de move speed près des tourelles, Emerdinger. J'ai une barrière. Bien joué. J'ai mis un Q de merde, mais ça va. La barrière qui nous permet de le bait. On va récupérer tout ça. À essayer, du moins. Bien joué, bien joué. Ah merde. Ah ouais, il y a quand même un petit délai pour pouvoir réactiver le Q. Hein. On peut pas le réactiver instant. Pile poil les golds pour le chapitre, donc ça c'est parfait. Casse fermée égale insonorisation du son extérieur. Ferme égale pas d'insonorisation. Ouais, j'imagine que tu voulais dire ouvert pour le deuxième. Mais ouais, du coup, j'imagine que c'est ça. Ouverture sur les oreillettes, du coup, t'entends ta voix et le monde en général. Ça veut aussi dire que les gens dans la même pièce écoutent ce que tu écoutes. Ah ouais? Ah mais par contre, je pense pas qu'il était aussi ouvert du coup, mais... Ça me gêne pas plus que ça, mais je... Je pense pas qu'il était aussi ouvert le... Parce que je pense pas que les gens autour de moi pouvaient entendre ce que j'entendais. Mais du coup, ouais, c'est intéressant, je vais... Je vais m'y intéresser. Du coup, si vous avez d'autres casques ouverts dans ce genre... Par contre, ouais, c'est ça, parce que je sais que beaucoup de streamers ont une carte son externe, j'en ai pas. Hein. J'ai pas check le mode de branchement de celui-là. Mais j'ai pas de carte son externe. Je pense qu'un jour je m'y mettrai, mais. Pas tout de suite, quoi. Parce que je sais que ça ouvre tout un champ des possibles, mais. Mais j'y connais pas. J'y connais rien, donc. Pas envie de m'embêter avec ça tout de suite.
qui mangeait mon R. Aïe, ouh, joli saut. On va essayer d'avoir les deux tours en même temps. C'est chiant. Ah bah, parfait, la tour et le poke. Je peux demander de plus. Je pourrais le tuer là, non? Ah mais voilà, voilà, mais dégage. Ah mais par contre vraiment, juste pour ça, le champion est trop fun, genre. Juste pour ce genre de d'équerre là. C'est vraiment trop plaisant, c'est satisfaisant de ouf de faire ça. C'est vraiment satisfaisant de ouf. De devenir main level coach juste pour ça en fait. Vraiment juste pour ça on va devenir main level coach les gars. Et du coup à partir de là on max le Q. Ouais mais après les. C'est, comme je disais, j'ai pas forcément besoin de gros. Enfin, j'ai pas forcément un budget limité pour les casques. En général, les casques chers, ils se branchent sur des cartes son externes, tu vois. Et ça c'est un problème vu que j'en ai pas. Puis bon comme je disais, je suis pas mélomane non plus, hein, je veux juste un truc où. La tour là-dedans. J'ai pas mon R encore. Ouais, t'étais pas exceptionnel, hein. Le fight était très moyen. On va peut-être pas fight, hein. Y a une grosse wave de creep. J'aurais peut-être pu les aider si j'y étais allé plus tôt. Mais vu que je suis un connard, je ne les ai pas aidés. Ok, on max le Q maintenant. Donc, let's go. J'ai mon R dans 5 secondes. Il y a des tours peur quand même. Je sais pas s'il l'a fait flash. Ouais, il l'a fait flash, donc c'est cool. Bien joué, bien joué. Bon, il a l'air d'être parti très loin, donc on va pas s'embêter. De mémoire, le DT990 existe en plusieurs résistances, donc potentiellement un qui ne nécessite pas de carte externe. Ok, ok. Ouais, de toute façon, je me renseignerai, je verrai. Mais du coup, ouais, si vous avez d'autres idées de ce genre de casque, n'hésitez pas. Du coup, bah, je savais pas que ça avait un nom, mais ça a l'air d'être... Non, attends, je suis en train de grip. Ah. J'étais bel et bien en train de grid. Oh, bien joué. Je me suis fait bait. Je me suis fait bait comme une merde. Je croyais qu'il avait déjà utilisé son stun. Je croyais qu'il avait déjà utilisé son stun. Bah, bien joué, lui. Il m'a giga bait là-dessus. Je me suis fait baiter, comme on dit. On va récupérer ça encore. Combien de temps pour les bots? 10 minutes 30. Il me manque 30 secondes. Bon, je pourrais attendre 30 secondes au spawn, histoire de... D'acheter des bots, mais bon. Ok, bah j'essaierai de regarder du coup. J'essaierai de regarder. Et ouais, moi le casque je m'en sers pour, enfin, pour stream quoi, principalement. C'est pas j'ai pas envie d'avoir un truc de ouf non plus. On va essayer de faire gaffe quand même parce que il s'agirait de ne pas trop int non plus. Ce Q était sympa par contre. Si j'avais fait un bon early, ce serait bien de pas le gâcher. J'ai entendu un flash. J'ai mon R de up.
Putain, bro, il court si vite. Il court si vite près des tourelles, ça me fume. Son passif, il est trop marrant, genre. Enfin, trop marrant. Lui et non, quoi. Il est marrant pour lui, mais... Pour moi, c'est un peu moins fun. Vous avez vu cette catapulte de récupérer, là? Vous l'aviez pas vu venir, celle-là. Je m'attendais à ce qu'il essaie de reculer. Il va poser l'hérald. Ne le pose pas, continue à push tranquille. My bad, j'aurais pas dû, je croyais qu'il allait le taper plus longtemps, j'aurais dû plus viser mon Q du coup. Dommage là-dessus, c'est un kill raté. Bonne année Yorox. Bonne année à tous évidemment. J'espère qu'elle sera très très bonne. Et que tout se passera bien. Et on va récupérer la tour avec l'Hérald, c'est très très cool. Voilà. Bon Lucienne. Oui. Il a la dalle lui. Oh, l'attaque de minion. Dommage. Non. My bad, j'ai barrière pour rien. Je suis pas concentré là, c'est quoi ça? C'est un connard cette game. Je suis un giga connard. Ah bah ouais bah. Encore plus le Shadow, vas-y, continue. Non, après moi je suis pas du genre à écouter beaucoup de musique hein, de manière générale. Je déteste pas la musique mais je suis pas du genre à en écouter beaucoup, tu vois. Non, pour moi la musique c'est plus un support externe, tu vois, j'écoute pas de la musique pour le plaisir, tu vois, comme beaucoup le feraient, que je peux comprendre, tu vois, mais enfin, moi pour moi c'est juste un, la musique c'est un fond, tu vois. C'est un fond, c'est une aide à un scénario dans un film ou dans un animé, mais... Ah, dommage. Il y avait trop de minions, du coup, je pense que je pouvais pas mettre le Q au milieu. Bon, on fait plage, c'est très bien. Garen qui va récupérer les deux kills. Tranquillou. Donc c'est très très bien. Le jungler. Oh merde, je regardais pas et j'ai failli me faire catch par la Camille. Mais voilà, mais c'est pour ça que moi quand... Merde, quand je vous disais que je cherchais un casque, c'est pas pour la qualité audio, c'est pour mon confort en fait. C'est pour le confort qu'il peut apporter. Quoi, j'ai pas touché là? Nice. Nice. Nice, nice. Baited. Dommage, 3 secondes, mon R. Est-ce que je grid? Oh, je l'ai pas... Ah si, je l'ai touché. Je voulais essayer de toucher le brand. En vrai, dans ma tête, j'avais un truc giga stylé, mais... Ça passait jamais. Dans ma tête, je touchais le Q sur brand, mais en fait, ce que je viens de voir, du coup, c'est qu'on peut pas réactiver le Q pendant le R. Donc, ça veut dire que si tu veux QR, il faut absolument que ce soit range max. Bon, j'imagine que n'importe qui a déjà touché Vel'Koz dans sa vie, c'est ça, mais... Et je viens de l'apprendre. Je viens de l'apprendre, du coup.
Mais bon, après, comme je disais, du coup, c'est surtout qu'il me faut un casque où quand je stream, je m'entends, histoire de pouvoir moi-même réguler mon volume, en fait. Sinon, c'est très très compliqué, je trouve. Puis je sais pas, ça me fait mal à la tête d'avoir un casque qui insonorise. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment désagréable. Je vais mourir dans 5 secondes. Je pense à R plus souvent, hein. Vraiment le R il fait de ses dégâts. Ah bah oui, bah là ce cas je vais le renvoyer là. Ah, évidemment, je vais pas le garder. Mais c'est juste que bah je veux... Enfin... J'ai pas envie de restream avec des écouteurs quoi, donc on le renverra quand on aura reçu le prochain. Parce que vraiment j'ai stream avec des écouteurs une fois, plus jamais hein, plus jamais ça. Mais après, je veux pas de micro, hein. Comme je disais, moi le micro, je m'en fous. Le micro, j'ai déjà ça, tout va bien. Mais Ah, le retour, le son que... Ah oui, ok. Mais non, ça, je peux pas parce que je stream, en fait. Que sur tous les casques, tu peux activer ça, mais... Je m'attendais pas à ce qu'il vise l'autre. Oh, oh, oh. Oh cet angle. Oh cet angle. Il fallait le prendre. Hein. Il fallait le prendre cet angle. Hein. Ah ben j'imagine qu'un casque insonorisé quand t'es à fond dans quelque chose ça peut être sympa mais... Mais pour quelqu'un qui stream, du coup, c'est vraiment très très chiant parce que bah, je suis jamais à fond dans ce que je fais en fait. Ah ouais? Ah ouais, j'ai le seum là, c'est. Oh les dégâts. Il m'a volé mon carapateur, vengez-moi! Merci monsieur. Bon, je vais pas faire de Zonia cette game, je pense. Géomètre, ah bah après. Les gens disent que les main katas ne savent pas mettre de sort, mais. Ces gens sont de mauvaise foi. Toucher des sorts, c'est bien plus facile que de jouer Katarina, ne l'oubliez jamais. Évidemment. Bon, on va essayer de mettre la pression tranquille. Et voir comment ça se passe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je one shot quelqu'un juste avec le R là? Genre un QR? Ah. C'était pas lui que je visais à la base, mais. L'important c'est que ça passe. L'important c'est que ça se passe bien. L'important c'est le résultat comme disent les jeunes. Non. Oh! Joli presser de la part de notre petite Séraphine. C'est bien passé ça. C'était sympathique. Je suis passé sur le HyperX Cloud 2. Oui bah oui mais le... Et franchement, bien insonorisé par rapport à mon ancien. Ah bah putain, tu devrais essayer celui-là du coup, hein, parce que j'entends plus rien moi. Alors que le Cloud 2, j'étais giga bien avec, tu vois.
Le Cloud 2, j'étais giga bien avec, et celui-là, là, ça me fait mal à la tête tellement je m'entends pas parler. Là. Faut sauver le soldat Garen. Ah non. Ah si. Il est où? Aïe. Je veux tuer le Ezreal. Mais il fait mal. Dommage. Dommage, il va plus loin que ça, Flash Shadow, je suis désolé. Voilà, on va le récupérer parce que bah... Ouais non, je faisais... Bon, le karma directement qui me rattrape. Je vais Brand, hein, évidemment. Je visais évidemment le Brand, vous en doutez. Ah bien sûr je faisais le Brand. Bien sûr, enfin faudrait vraiment être de mauvaise foi pour pas avoir compris que je faisais le Brand là. Quand même les gars. En vrai je vais Gorabadon là plutôt que Zonir, hein, Nick. Ce sera plus rigolo. Bah, peut-être. Eh mais c'est qui va s'en sortir le bougre hein. C'est qu'il s'en est pas sorti le bougre. Dommage pour le Garen. Est-ce qu'ils vont essayer de faire le Nasha ou pas? Est-ce que c'est greedy d'essayer de dépush une wave alors que potentiellement la team ennemie est en train de faire le Nasha? En plus si c'est pour rater le... C'est bon, ils le font pas. Si c'est pour rater le canon, c'est pas terrible. Voilà. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas pourquoi je me balade ici. Je suis un débile. Je suis un giga débile, genre. Je viens de perdre 20 stacks de Magi pour rien. Je suis un connard. Je suis un giga connard. C'est à cause du casque aussi, la merde. Trop dur de se concentrer là. Trop dur. Mais ouais, en vrai, genre juste si je pouvais le mettre comme ça le casque là, ce serait trop bien. Ce serait beaucoup trop bien en vrai. Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas. Faudrait peut-être un minimum d'insonorisation, mais... Mais là, il y en a trop quoi, c'est... C'est compliqué. Je sais pas si c'est juste la nostalgie qui me fait dire ça et si dans genre 2-3 jours je serais bien avec. Je sais pas. Pourquoi t'as pas eux? Bon, soit le tuer pas là, mais. J'espérais d'abord m'en sortir avant d'essayer de faire des trucs. Attends, concentrons-nous là-dessus. Merci pour le kill, madame. Oh, dommage. C'était bien tenté. What? Je m'attendais pas à ces dégâts de Garen. Ah, il fait Gale Force. Attends, mais il a changé son stuff, le Garen. Il avait pas une Gale Force au début. Hein. J'en suis presque sûr. J'en suis presque sûr. Alors, donnez-moi vos idées pour les casques, mais après la game. Bien joué ce Q. Je ne suis pas en mesure de tout noter actuellement. Le flash out directement, on impose le respect évidemment. Merci pour la tour. Dommage. Il manque 300 gold. Je m'a fait bait là.
Tout le monde s'est fait ulti de Ezreal. 10 secondes avant mon R. Oh putain, il y a une tourelle là. Désolé quand même. C'est la moindre des choses de détruire les tourelles quand même. Yo! Salut Lucian, attends, je détruis la tour et je m'en prends à toi. Ah oui. Attends quoi, mais je suis mort de quoi là? Pourquoi personne a détruit la tour? Alors casse les couilles. Vous êtes relou, hein. Je sais pas ce qu'il tapait, mais il tapait pas la tour, j'étais tout seul à la taper, genre. Moi je pensais pas qu'il me pèterait la gueule. J'avoue que je m'attendais pas à me faire exploser la gueule comme ça. C'était quoi le pari? Je vois RIP pour le pari là. J'imagine que j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas faire. Ah l'inhib, ah oui. Bon ça va. Il y a encore le temps les gars, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il y a des petites grilles que tu peux ouvrir, fermer pour changer d'un saut de son casque. Ah ouais? Après j'ai pas besoin d'un truc aussi si élaboré mais ça peut être intéressant. À partir de quand que tu prends le rouleau trinket? Niveau 9 je pense. Dès que tu peux l'acheter, tu l'achètes. À mon avis. Je suis pas un expert mais ça me paraît logique. Ah merde. Je crois que l'auto-attaque de Garen a aidé. Je crois. Ah, nique le mignon à 1 PV là, sérieux. Miam miam les bons mignons. Ah. Yes. Ah, pas mal. Bien vu, bien vu. J'aime bien ce que je vois. Ouais bah ouais bah. En vrai ça va. En vrai je suis heureux là. En vrai on est content là non? Heureusement qu'il m'a pas visé moi parce que j'aurais dû flash out je pense. À mon avis, on aurait dû flash out là-dessus. Ah, bah j'ai tué Merdinger, GG à moi. Allez, ça c'est fait. Ça aussi. J'exagère. Pourquoi mon Zonia il s'est pas lancé? Merde! Et pourquoi je grid aussi? Il fait chier. Faut que j'arrête de grid comme ça là, c'est pas possible. C'est pas possible. Le collector qui t'a tué, ouais. Mais bon, si j'avais Zonia, il m'aurait pas tué le collector. T'inquiète, vie de merde. Je vais flash Zonia, mais. Juste flash. J'ai pas eu le réflexe. Vraiment, OP les Blue Ward, j'en prends jamais. Bah en gros, enfin, c'est pas OP non plus, tu sais, mais c'est juste que quand tu prends pas de Red Trinket, autant prendre une Blue Trinket, tu vois, les Trinkets jaunes, elles sont pas très très utiles. Hein. Parce que en soi, soit tu prends une Red Trinket pour des Wards, ce qui est giga fort, soit t'as un perso qui peut pas des Wards et tu prends une Blue Trinket, tu vois. Et du coup, oui, ça t'évite de face check, ça t'évite plein de trucs. Ça t'évite plein de conneries comme ça. Il y a un Lucian Jungle, c'est vrai. J'ai déjà fait ça, Lucian Jungle. En vrai, c'est pas si nul. Hein. C'est rigolo. Après, j'ai pas joué dans cette saison, mais... Ça cligne pas trop mal non plus, quoi. J'ai pas réussi à toucher le Q sur le Brand. Merde. Ah, détruisez les tours, les gars. C'est très chiant de voir des toiles des Merdinger se balader. Une
d'air, le stuff de Garen, ça me fume. Ça me giga smoke. Par contre, j'ai toujours du mal à toucher 3 minions avec le Q-spell. Enfin, j'ai toujours du mal comme si ça faisait 20 ans que je jouais le champion. Mais ouais, j'ai un peu de mal avec ça. En de Lucian, on en voit partout tout le temps. Hein. Enfin, en tout cas, top mid, ça s'est toujours joué. Ah oui, en jungle, c'est vrai qu'on en voit pas. On en voit pas des masses normalement, mais. Bon. Je sais pas qui c'est qu'on va jouer prochaine game, on verra. Tu vois, tuer quelqu'un avant de back. Genre lui. Sûr, il s'est amusé. Pardon. Pardon, moi aussi je veux m'amuser, je vous jure. Et comment je me place aussi, je suis un giga connard. Je me place en mode venez me tuer s'il vous plaît les gars, je suis un belle cause. Littéralement, c'est exactement ce que je fais. Venez me tuer les gars, je suis un belle cause. Et ça marche plutôt bien. Après, là, j'ai plus de Zonia, donc il va peut-être falloir que je back. On va peut-être back en vrai cette fois. Et à combien d'AP? On est à 713. Donc. On est maintenant à 780. Oh. Bien tenté, normalement il devrait arriver par là. C'est ça, on va récupérer le bleu buff et tranquillement rentrer dans le team fight. Ouais, ça lâche de belles patates, Velko, c'est vrai. De très très belles patates, même, je dirais. On va récupérer ça. On va peut-être récupérer la pression top aussi, tant qu'à faire. Histoire de passer niveau 18 soon. Mais ouais, j'avoue, ça fait de petites patates quand même, de petits Vel'Koz là. Le passif, il met un solide 551 là, en dégâts bruts. C'est pas dégueu quoi. Merde. Est-ce que Swain dans la liste des persos à monter? Non. Point d'exclamation maîtrise évidemment pour voir les champions que j'ai maîtrise 7 et ceux que je n'ai pas. Une tourelle là. Et vous, monsieur, arrêtez-vous! En la game, tu peux juste arrêter s'il y a un ADC qui dash. Si t'as un mec qui dash out, tu peux juste le fumer, genre. J'aurais peut-être pu faire un penta là si je m'étais concentré. Bien vu. Bien vu, monsieur. Bien. Ok, pardon! Je suis un connard aussi à me placer comme un enculé comme ça. Je suis vraiment un enculé à me placer comme ça. Tu restes très souple dans ce que tu considères comme un champ mid. Comment ça je me reste très... Non mais c'est pas... C'est... Enfin vous voyez bien que c'est tous les champions du jeu que vous avez dans la liste là. Juste que j'ai pas une liste de midlaner où il y a toutes les maîtrises, alors je vais pas coder ça pour le fun. Mais en gros oui, sur la liste que vous voyez, il y a tous les champions du jeu et moi je montrais tous les mids. Mais avec plaisir, Bradvada, très content de lire ça. Ok, let's go.
Alistar mid, Alistar je le considère pas comme un mid. On pourrait le jouer mid, mais bon, c'est pas là qu'est l'intérêt, tu vois. C'est pas là qu'est l'intérêt du truc. Un sub directement de Bradvada, merci beaucoup. Merci infiniment, bro. C'est très très gentil. Merci à toi et bienvenue, bien évidemment. Rampage. Et continuons à mal nous positionner comme le bon Vel'Koz que nous sommes. Et finissons cette partie de League of Legends. What the fuck. Merci beaucoup, Brad. 5 subs offerts. Merci infiniment, bro. C'est très 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 gentil. Voilà, attendez. Bon, c'est bien, c'est marrant de mal se positionner, mais... Bon, si, c'est marrant de mal se positionner, c'est tout. C'est juste marrant. Oups. J'ai arrêté trop vite. Pendant ce temps, Garen. Elle est où ma vie? Moi, j'ai pris deux auto-attaques d'un Lucian là. Ah. Ah là là, il a dodge, il est si fort. Est-ce que je le tue juste avec le R? La réponse était oui. Mec, en vrai, j'aurais dû faire plus confiance à mon R. Hein. 1700 de dégâts. Je peux littéralement one shot quelqu'un avec ça. C'est qui spawn? C'est Camille. Je suis presque sûr que c'est une très mauvaise idée d'essayer de pré-shot une Camille. Hein. Mais bon, des très mauvaises idées, j'en ai à l'appel, donc ça va. Ah non, c'est une très mauvaise idée. On va pas tenter. Le problème, c'est que si tu l'as pas à la frame, elle aura le temps de dash. Yo! Ouais non, je voulais essayer de m'éloigner le plus possible, mais... Je voulais essayer de m'éloigner le plus possible avec le flash pour voir si les minions pouvaient pas se mettre devant moi, mais... Malheureusement, ce n'était pas possible. Bon, virons le Medja et achetons autre chose à la place. Peut-être pas bâton du vide. Ou pas, le bâton du vide, c'est pas si intéressant que ça sur le champion. La Banshee peut être bien. Demonic Embrace, Riley, ouais... Quoi comme item qui donne de la paix sinon? Je vais faire la Banshee pour l'instant et on va voir. Ah, le Cosmic Drive, ça peut être sympa le Cosmic Drive, tiens. Vas-y, go. Va pour le Cosmic Drive, ça me va. Yasuo est en effet mon deuxième main. Et du coup, bienvenue aux 5 personnes qui se sont fait offrir un sub de la part de Brat. Merci infiniment pour ton soutien, bro. C'est très très gentil. T'as quand même eu le temps de mettre le S à 80 HP. Ah bah après on est un petit peu fait quoi, c'est... Il a pris tous les sorts, c'est normal. Merci Antoine. La sous-montagne avec Séraphine. Bon après la sous-montagne de manière générale est très très forte. Hein. Et est-ce qu'on fait un penta là? Histoire de bien montrer que même dans les games de merde on peut faire des penta. Bon je sais pas une game de merde, c'est juste qu'on troll un peu quoi. Donc là on n'a pas besoin de S, on a juste besoin de gagner. Attends, oh mais attends, on parlait de Penta justement. Ah ouais mais non mais c'est triste. Ah non mais on l'avait le Penta là. Il était juste là. Il était juste là le Penta Echo. C'est dommage. Bon dommage, he's ok. Nous faisons avec. Enfin, les... Je vais essayer de les laisser défendre les minions. Il y en a beaucoup en vrai. Non Ezreal, laisse les défendre. Laisse-moi one shot quelqu'un. Ouais 15 secondes. Surtout qu'il a un Zonia celui qui spawn en 15 secondes. Donc. Ça risque d'être compliqué.
Ah merde. Allez, GG. Ça reste une game marrante quand même. GG. Full tryhard kata, mais c'est pas simple, mais t'inquiète, bro. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. En bon, non, le Echo, il a fait de bons gants en early, c'était cool. C'était cool. Bon, merci YouTube, j'espère que ça vous aura plu. Bon, c'était pas la plus grande game de l'année, mais il y a eu 2-3 sniping, 2-3 équerres qui étaient sympas. J'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain. Bye!